What's up, SkyTo.NeoManiac? Ici Sky Redemption. On y va pour l'épisode 10 de Far Cry 6. Achou! On y va pour une mission chasse au trésor. On va se faire l'émission secondaire avant de passer à la prochaine section pour rafraîchir les Maxima cette fois. Les règles. Avant les LT. Je dois fouiller cette grotte. On va aller fouiller la grotte. Un petit plongeon. On n'a pas le choix de plonger pour entrer à l'intérieur. Alors, j'espère que le trésor promet que j'ai pas fait tout ça pour le rien. Mais, comme j'ai dit, les missions secondaires, on les fait toutes, peu importe ce que c'est. Là, j'espère qu'on arrive bien vite parce que je suis sur le bord de manquer d'air. Bouche à bouche, quelqu'un? Avant! Il voulait pas prendre tout sortir de l'eau, là. OK. Ben, je pense qu'on est sur le bon chemin. Au moins, il y a ça. Cognon. Cognon. Cette grotte est immense. Immense. Et j'ai aucune foutue idée où est le trésor. J'espère que ça sera pas trop compliqué à trouver. Page et journal arraché. OK. Si vous voulez lire de ça à votre totale discrétion, peut-être le mettre sur pause. Oh, ça vous aidera. Encore des méduses. On va passer. Eh oui, c'est foutu, méduses. Faut pas les accrocher parce que. Tant qu'à moi, on aurait du dommage. J'avais même donné l'option pour upgrader pour que Danny garde son souffle un peu plus longtemps parce qu'il a tout le temps l'air de vouloir s'étouffer. On va aller voir de l'autre côté sans toutefois toucher les méduses. Okay. Ça a comme pas le choix d'être là qu'on a. Ouais, ben, il y a des méduses là-bas. C'est parti! Oh my god, il manque pas d'air. Les méduses, il y en a beaucoup, hein. Il est encore en train de manquer d'air. Just in time! Quelques petites choses à ramasser, pas grand chose, mais comme on dit, on commence par peu et ensuite on va pouvoir évoluer. Oh, j'ai vu un point de grappin par exemple. Je pense que avec ça, on va aller directement au trésor. Ok, ok. C'est parti! Le grappin, je suis tellement content de l'avoir eu au début du jeu. Vous pouvez pas savoir. Ok, là je comprends. C'est là faut que j'aille. On va se balancer un peu. Come on. Ouh. Et on est arrivé au trésor. J'ai hâte de voir ce qui s'y cache. Ça doit être la prime, c'est ça. Ça va, votre majesté. Trésor trouvé. La légende de la... Princessa. Ah ben c'est les pesos. Je pense que qui était le mieux là-dedans. On en a eu 1000. On va aller se faire un petit canon anti-aérien. Histoire de nous libérer un peu quand on va passer avec notre hélicoptère. Il y a un connard devant moi. Ah ben fuck it. Bye bye man. Ah.
terminé pour toi également. Eh tiens, il me reste plus. Oh, ça par exemple, les caches de FND. On va aller chercher notre uranium appauvri. Peut-être de nous donner accès à un autre supplément ou d'autres armes que Juan pourrait nous confectionner. Bye bye! Boom! Espace aérien dégagé. Ça par exemple. On va ramasser ce qu'il y a à ramasser. Ensuite, on va aller se faire. Quoi qu'on pourrait faire? On va aller se faire une petite histoire de Yara. On va faire changement un peu. Salut toi, Mouche du coche. Dany en chair et en os. Quelle vision merveilleuse. Je sais que tu viens pour la même raison que tout le monde. Les doigts de fée de Yami. J'aimerais beaucoup me pencher sur ton cas, mais il faut d'abord que je m'occupe de ce carter. Une tête de gland d'officier m'a piqué ma caisse et l'a entreposée près du vieux circuit. Ces connards l'utilisent comme terrain d'entraînement. Tu pourrais me la rapporter? Mais il va falloir que tu te salisses les mains. J'ai un petit cadeau pour ta caisse. Une arme anti-véhicule qui va faire battre ton petit cœur à 100 à l'heure. Ouais, ben ça par exemple, ça pourrait être intéressant. Jusqu'ici. Oh my god, il y a des véhicules partout par exemple. C'est quoi, faut juste qu'on les élimine? Et elle t'aurait rejoint. Dany, tu dois retrouver mon CAG. Et avant que tu me demandes, il était à mon père. Il a une valeur sentimentale dans la famille. Papa m'a dit que j'ai été conçu sur la banquette arrière. Ok. C'est pas une histoire que j'ai envie d'entendre. Dans les détails. J'en ai d'autres des histoires si tu veux. Il était une fois une petite fille qui rêvait de devenir pilote de course. Mais son père tomba malade et la petite fille dut aller travailler au garage à sa place. Jusqu'au jour où une magnifique guerrière a rendu un grand service à cette petite fille. Il me reste plus qu'à trouver la fin de l'histoire, Dany. Tout pour essayer d'aguicher Dany à faire le boulot à sa place. Ça me dérange pas du tout. On va le faire. C'est, on a bon cœur comme ça, t'sais. Là, faut que je passe à l'action parce que là, des véhicules n'arrêtent pas du tout. Alors, on va en attaquer un. Comme ça, ils vont tout arrêter. On va tout s'en débarrasser. On va récupérer le CAG. Ensuite, on va peut-être continuer de nous raconter comment elle a été conçue sur la banque arrière. C'est terminé pour toi. Comment la cavalerie, je vous attends. Merci des bâtards, attention au camion! On s'en sort du camion. Ok. Amène-toi. Tu veux dire un dernier mot? Super! Eh, non, la visière comme pour, hein? La visière était dérégée. Je pense que c'est complété. Objectif terminé. Yami, c'est bon, je te ramène ton CAG. Ils ont dû le planquer dans un garage. Ouvre l'œil. Ok. Guapo! Guapata! Oui, mais je dois dire, c'est tout un véhicule. Ça ressemble à un Hummer. Yami, j'ai ton CAG, j'arrive. J'ai récupéré ton CAG. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, au fait, tu peux garder le CAG. Ah, t'es sérieuse? Mais il avait pas une valeur sentimentale pour toi? Mes parents ont baisé dans ce truc. Tu crois que je veux le récupérer? Oh my god! Et puis, comme ça, tu m'es encore redevable? Malin, non? Allez, ah, c'était bisous. Juste pour ça. J'avoue que c'était malin de sa part. Histoire de Yara terminée, mouche du coche. Là, on va aller aider des Yaran. Les guerrieros ont besoin d'aide. On va aller aider les guerrieros.
Voilà l'officier. Là, on va tenter de faire une coupe d'achat. Je vous garantis rien, par exemple. Et si que ça marche pas, ben, vous le savez, vous me connaissez jusqu'à présent, foncez dans le tas. Comment, j'espère que ça marche. Guapo, t'aurais pu y aller déjà, toi, par exemple. T'étais pas obligé de m'attendre, hein? Ah, t'es sérieux, man? Il que des cartes plus solides que d'autres. Hein. Oh ben, on fondant. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il fout de là? Ok. Bon boulot, guys! Je pense qu'on a déjà eu ce qu'on voulait, il ne nous reste plus qu'à récupérer la cargaison. Ben, c'est... Au final, c'est pas compliqué, hein? Ok. Embuscade est réussie, notre code. Vous le voyez tous. La poudre à canon. Des catalyseurs de Supremo. De l'essence, du métal. Ok. Baisse à la pompe pour les Yaran. Oh oui. J'aimerais que ça y arriverait dans mon secteur aussi parce que là, à 1,50 du litre, ça commence à être cher. Bon, on va le faire une petite. Un petit poste de contrôle. Merde. Un poste de contrôle. Eh ouais. Et on va s'en apparer. Ça sera juste comme pas long. Bon, on a l'alarme qui est juste là. Merde. Je change de position par exemple pour avoir une meilleure vue. Poste de contrôle du pied de la Mogotte. Ils ont pas les noms. Hein? Bon, là, on va avoir accès pour désactiver. L'alarme. Désactivons l'alarme. Bye bye. Fini les renforts. Buenas noches. Salut, connard. Bouge pas, man. Headshot! Ok, là on sort, ça court un peu plus pour avoir encore une fois une meilleure vue. Headshot! C'est fini pour le lieutenant! J'ai plus qu'à récupérer son badge. Récupérer aussi la caisse FND. Détruire la pancarte, ce qui va nous donner possession du poste de contrôle. C'est ça que j'aime à ce temps, dans ce temps, celui-là, les postes de contrôle sont pas vraiment compliqués à faire. Capturer. Poste de contrôle capturé du pied de la Mogotte. On va aller chercher la caisse FND. À part le canon, moi c'est mieux que rien. Parce que toujours ça qu'on porte par exemple la Ah ben là, on va juste foutre la canne de là, le bordel est pogné, mais l'important, c'est qu'on a récupéré le poste de contrôle. Là. On va aller faire une interception. Un appel radio qui va nous conduire à une cargaison
Costa del Mar. Avec l'hélicoptère, ces missions-là sont tellement bien. Et là, on va aller atterrir juste au côté de la radio. Et ensuite, ils vont nous donner la position. Ensuite, on va juste filer tout droit, éliminer tout le monde et prendre possession de la cargaison. Il faut juste se poser en route. Confirmez sa réception à la crique quand il aura échoué sur la plage. Ok, je m'en charge. Libertad aurait bien besoin de matos. Je dois arriver sur place avant l'armée. On va arriver sur place avant eux. Ça sera vraiment pas compliqué. Comment déliminer les gardes. Touchez pas à ça, c'est à moi. Ça recommence. Oh! J'étais censé avoir un effet de surprise, moi là. J'ai complètement raté mon coup. Hein. Écoute, t'as plus la pompe là. Je dois dire que c'est le meilleur que j'ai eu jusqu'à date. Alerte à confiance! Ta gueule! Oh. Voyez! Plus, viens m'aider! Viens m'aider! Rassure! Nos guerriers! Pour les caisses de liberté cette fois-là, on va s'emparer de tout le contenu! Danny, t'as encore brillé! On a encore réussi avec brio. Niveau supérieur, le niveau 7. Tu veux venir me pêcher? Je t'attends avec mon supremo. Interception terminée. Plage horaire. On va aller se faire. Eh oui. Une base FND. Commencer par se débarrasser de la caméra qui est juste là. Usine de tabac Castillo Senoral. Senorial. Là, je vais tenter de faire le plus de headshots que je peux. Là, je n'ai pas le choix, là, parce que là, je suis en train de perdre mon surnom. C'est pas ça que je veux, là. Je vais devoir faire attention. On va faire attention. Inquiète-toi un peu là-dessus. Pour évaluer aussi la situation. Bon, je dois plus prendre de la marde. On est passé de l'autre côté, mais je n'étais pas sûr de réussir. On va se débarrasser de l'alarme. Faut neutraliser cette alarme. Apporter les remparts.
dit qu'il y en a un autre. Ok. J'ai trouvé notre premier headshot. Et c'est un lieutenant. Salut, lieutenant. Headshot. Il s'assied en plus. Il nous félicite le travail. Headshot. Headshot! Non, t'as rien vu pendant tout. Headshot! J'espère que vous êtes servis, il y en a un autre headshot! Il y a un petit connard là-bas! Cesse de bouger! Bouge pas! Headshot! Ça se passe bien, extrêmement bien. Hein, ce qu'on ferait découvrir jusqu'à présent, là, il ne doit pas rester bien bien sol doc sol. Headshot! Ah, t'es sérieux, man? Il y a une alarme en plus. Ah là là, il y a les renforts qui vont venir tout le bordel. Il y a un tarla qui a décidé de venir voir. Couché! Ça, c'est pas grave. Le tout du travail est déjà fait. Avec le nombre de headshots que j'ai fait. Et on les descend à mes yeux qui sortent du camion. Je vois des troupes sur la route. Elles arrivent sur ta grave. Position. Stay down. L'ordinateur juste là, ça veut dire qu'on va pouvoir télécharger des données. La caisse est prête. Oh! Un arc recoupé. Touche pas, connard. Oh my god, avec son attitude là, c'est une équipe au complet qui est venue leur rendre un bon. Ah, jouer ça, là, ça n'a pas de bon sens. Là. On va télécharger les données dans ce temps-là. Ok, c'est bon! Oh my god, man! C'est un peu un comité. Ça, c'est un peu sur un comité d'accueil qu'on a eu là. Pas vraiment le bon moment de manquer de balle, on a un petit peu de temps. Fermez-les pour toi également. Merde! Ne touche pas ça! Terminé! Capturer la base FND nous appartient. L'usine de tabac Castillo Senorial. Là, on va se faire un autre petit poste de contrôle. Poste de contrôle. Vaut mieux faire attention. On va faire attention. Sniper, prêt. Je me fais des idées. Headshot, prêt. Ah, shit, c'est sérieux, mais on l'a manqué. Oh, là, you. Headshot. C4.
C'est rare qu'on peut l'avoir un coup qu'on l'a manqué la première fois. T'sais. Parce qu'habituellement, il décolle à courir, mais là, il a juste figé. Ça fait mon affaire. Pour être honnête, là. On est là, mais... Bon, ici, on me dit quelque chose. Un sniper! Headshot! Bye-bye, le sniper. Poste de contrôle de la vallée du tabac. T'es où, man? Se faire exploser la tronche avec un explosif sur table. Bon, on a trouvé. On va détruire. Touche-moi! Et c'est terminé! Ça fait quand même assez facile de prendre possession du poste de contrôle encore une fois. Poste de contrôle capturé de la vallée du tabac. On va aller chercher la petite caisse FNB. Habituellement, il y en a toujours une. Et celle-ci n'en fait pas exception. Ça, c'est mes friends. Bon, on va aller faire une autre embuscade. Ces guerrieros ont besoin d'un coup de main. Eh ouais, on va aller aider les guerrieros. De l'essence. Et connard! Ok. Le voilà! Disperse, lâchez! Hans! Tiens, visuel! Ah ouais, il est visuel, mon fils. Ah, je pense que c'est un amour avec ce fusil à pompe. Terminé pour toi. Oh yeah. Ouh. Début du siècle, une mitraillette. Ça, par exemple, j'avoue que ça fait plaisir avoir un arme unique en main. Oh! La petite explosion. Bon, on va aller chercher la fameuse petite cargaison. Embuscade réussite, nom de code. Je vous laisse encore vérifier ça. On va aller se faire un autre boss FND. Hey, Clara. Et si je te disais que j'avais trouvé un avant-poste de division blindée? Eh bien, je te répondrais de leur voler un char. Je sens que ça va être une bonne journée. Et par chez nous, on pourrait dire, et je te dirais de manger un char. J'ai manger un char de merde. Non. C'est vrai, c'est une expression de par chez nous, par exemple. Headshot! Je gère. Je gère. L'alarme. Pas moyen ici. De tirer sur l'alarme. Tu veux dire pas moyen de tirer sur l'alarme? Un peu pour toi. Fini les renforts. Là, c'est fini les renforts, par exemple. Headshot! Reste assis, man, reste assis. Headshot! Tu vas, man! Assis-toi, assis-toi. Là, tu me facilites vraiment le travail. Headshot! Ok. Ok. Oh. Ok, un peu, là. Je te vois, l'ingénieur. Ah, un petit headshot. Adios. Adios, muchachos. Ça vient maintenant. Notre ville est divisée dans la
Salut, connard. Shit, je l'ai pas tiré par exemple. Une clé. Ah, ça fait sa job pareil. Je le trouverai, sale merde. Ah, tu vas me trouver. C'est toi qui es une sale merde. La deuxième division blindée des FND. Les connards. Ça, il l'a vraiment pas vu venir. Pas noir en rapport, man. J'ai tout. Oui. Les alarmes. Ouvre-la-moi. Allez, on va la voir. Headshot. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ben là. C'est sûr qu'il y a une alarme. C'est d'abord juste que j'avais oublié. Hein. C'est pas grave. Bye bye. FNJ, si tu déclenches chaleur, c'est le comité d'accueil que tu as, ça n'a pas le choix. Comme ça. Hey, toi là, la petite roulette électronique là. Hey, connard. Comme tu vois, man. Bye bye. Un headshot avec un fusil à pompe. Ça veut dire que ça s'appelle travail autrement. Là par exemple. Regarde, je pense qu'il reste juste lui pour qu'on détruise le char pour avoir. Ah, il a vu, faut que je décide de faire un mitraillette. Bon, on se fait avoir en même temps, mais écoute, c'est pas grave. C'est reparti, come on! Une dernière fois, man. Continue. C'est terminé. C'est capturé. Allez, maintenant. Non. On a capturé. La deuxième division blindée des FND. On va aller faire une autre petite mission trésor. Ravitaillement en altitude. Napoléon El Pequeño lui aurait réservé un sort bien pire. Donc c'est près de la fumée là-haut. Ok. Mais moi, au lieu de faire ça, de monter puis me casser la tête, je vois un hélicoptère. That's it, that's all. Comme ça, bon, on sauve les casse-têtes.
que je vais pouvoir atterrir sans exploser mon hélicoptère ou soit sans me simplement me tuer. Ça valait le coup rien pour le panorama. Ouais, on a été chanceux. Repose en paix, soldat. Le trésor trouvé, le ravitaillement en altitude. Une mission trésor qui se fait vraiment rapidement. En plus d'avoir le M16A1 fusil d'assaut. What's next? Faire une autre petite mission trésor. L'entrepôt des FND. Je vais partir. Chaque guerrier rond est un être défaillant. Ce peut être une faiblesse de caractère. Oh shit, ça l'a pas tué. Ou bien... Le mettre à l'abri. Et à chacune de nos défaillances... Pas par tout, mais... Attends pas comment... Cette fois-ci, au que oui. Commandement. Par la défaillance. Le devoir. La vérité. L'égalité. Les vrais garanes. Le credo de notre... Et connard. Ne vous surtout pas. Ouais, le camion t'a osé arrêter, toi. Ah, on va te faire au sniper. Ou surtout pas, man. Headshot dans le camion! Oh, ben là, on a notre champ libre. On va pouvoir aller faire notre chasse au trésor. Partie de cache-cache. On dirait que l'armée cache du matériel de pointe dans le bunker 2. On va essayer d'y accéder. Le bunker 1, le bunker 2. Un recordatorio a los protectores de la patria. Hay que reportar cualquier acto sospechoso a los PDP inmediatamente. Un verdadero diario. On va monter sur le toit, je pense que là qu'on va pouvoir remettre le courant. Si no es un crimen contra Yara y el paraíso, lo que podrían hacer mañana es mejor hecho hoy. Y lo que podrían hacer hoy fue mejor hecho ayer. Tomar acción por su país. Merde, je dois bien me préparer. Tu veux dire par bien se préparer là? Ah, oh, la porte est fermée. Ah, oh, j'en ai entendu parler de cette mission au trésor-là, par exemple. Faut tirer sur les explosifs avant que les portes se referment. Et ça va faire ouvrir la trappe du toit. Oui, celle-là, je dois avouer que j'en ai entendu parler. C'est ce qu'on va faire. Kaboom! Super. Je vais passer par cette trappe. Bon, ben, on va aller voir ce qui s'y cache. Ouch! C'est dur pour les fesses. Où ça mène, ça? Ben, c'est ce qu'on va découvrir, Danny. Ils ont trouvé des acheteurs pour ces merdes. Ok.
On a peut-être sauté le cadenas. Regardez-moi ça. Ils ont enfermé notre histoire. Ou bien, ils l'ont brûlée. Oh, une clé. Oh, il y a de quoi lire, c'est... Note d'une recrue. Ben, la clé va nous avoir servi à quelque chose. Cher Vrayara, joli bureau. Nous cultivons notre célèbre tabac pour produire le prodigieux remède Viviro. Cette opération rapportera des milliards à notre économie et nous rendra très... Oh merde, je veux la même chose. Pour parvenir à leur fin. Nous devons les débusquer, les capturer et les traduire en justice. Oh, ça ouvrait. Ça a ouvert le mur. Good. On a une arme unique en plus. Je comprends pourquoi ils voulaient planquer ça. C'est à moi maintenant, bande de fumiers. Le trésor, ah, c'est un seul trésor. Offrande à Sobek, fusil de sniper, ça c'est intéressant par exemple. C'est tout pour l'épisode 10 de Far Cry 6. J'espère que vous avez apprécié le moment, même si c'était pas l'émission principale. Si oui, ben le petit commentaire ou le petit like ou le petit commentaire. Ça vous dit, portez une très belle soirée. À la prochaine.